L'année 2017 était-elle l'année Beyoncé? La chanteuse, reine des charts dans le monde entier, a squatté le devant de la scène médiatique pratiquement toute l'année. Il faut dire qu'elle l'avait entamé très fort en cassant Instagram à l'annonce de l'arrivée future de ses jumeaux. En effet, le post publié pour annoncer sa deuxième grossesse, dans une mise en scène des plus sobres, avait littéralement fait exploser de joie ses fans, les records, et Instagram tout entier. Dans les mois qui ont suivi, chaque post de Beyoncé dévoilant son impressionnant ventre rond a eu à peu près le même effet. Sa grossesse ne l'a toutefois pas empêchée de continuer à être la reine des charts puisqu'elle a tout de même récolté plusieurs Grammy en 2017. Elle a également tenté sa chance du côté de la littérature en proposant un coffret limité de son dernier album, Lemonade, avec un livre. Problème, le prix du coffret, $300, aura davantage fait parler que sa prose. Enfin, l'année s'est terminée sur une note plutôt négative pour la chanteuse. Les rumeurs qui couraient depuis de longs mois sur l'infidélité supposée de son mari, le rappeur Jay-Z, semblent s'être confirmées. Pire encore, Beyoncé aurait reconnu être restée pour le bien-être de sa fille, Blue Ivy. Espérons que l'année 2018 sera pour le couple l'occasion de repartir sur des bases sereines.